C'est-à-dire que si vous avez ici c'est un opercule qui est très entamé, qui est très sec, ça veut dire que ça a été coupé il y a très longtemps. Donc l'asperge elle a perdu de son eau de végétation. Et elle est forcément beaucoup moins bonne. Et puis en se rétractant de l'eau de végétation, elle devient beaucoup plus amère. Donc beaucoup moins bonne. Ah oui, ici si on est comme sur un marché emblématique, ici on est sur la place Miremont du Sud, il y a 100% de producteurs. Et le marché de Vienne a la particularité de faire 1 km 250 de linéaire. Donc un linéaire, c'est la surface de devanture d'un banc, on va appeler ça comme ça, où on présente les produits. Donc 1 km 250 sur la totalité, c'est vraiment donc, classé 3e marché de France en termes de linéaire. Essentiellement sur les marchés, sur les marchés donc, maïs, tournesol, blé, soja et des céréales. Ils fabriquent vraiment toutes leurs céréales pour nourrir leurs volailles, leurs pintades, leurs lapins, les pigeons, ils font du foie gras à Noël. Donc c'est vraiment c'est pareil, une famille qui habite à Sessuel, juste à côté de la ville. Vraiment, c'est des gens que nous, on respecte beaucoup parce que ouais, c'est pareil, ça s'est transmis de parents et maintenant, c'est des enfants. Ouais. C'est le marché, c'est un petit peu la... C'est notre vivier à nous, c'est aussi nos idées. C'est-à-dire que le matin, quand on vient ici au marché, tous avec les chefs, on vient bien sûr pour boire un café ensemble après quand on a fini, mais c'est aussi nous, c'est un vivier et on vient travailler ici. C'est un regard, ils nous disent, bon par exemple, je vais arrêter mes petits oignons la semaine prochaine ou dans 10 jours, fais attention. Donc nous, on travaille toujours en amont pour être là au vrai moment, au bon moment pour pouvoir actionner les produits de notre région. Aujourd'hui, on défend, la semaine prochaine, on fait un pique-nique au milieu du marché de 1000 personnes, mais aujourd'hui, on vient défendre nos producteurs, nos agriculteurs, parce qu'on se dit que sans eux, on n'est pas grand-chose, et ce qu'on a sous les pieds, il y a beaucoup de gens qui rêveraient de l'avoir. Donc nous, on essaye déjà de les conserver. C'est tout.
Parce que le Rhône nous apporte l'eau pour les maraîchers, pour le vignoble, une hygrométrie qui est constante et très particulière justement pour que tout se passe bien. Et ils en profitent habilement puisqu'ils ont des forages, des captages pour pouvoir irriguer et arroser des carrés des grosses chaleurs. Donc c'est la grosse chance de la région et c'est ce qui nous permet d'avoir des précoces et des tardifs encore au niveau des fruits et des légumes toute l'année. Sur le marché, on peut encore acheter du lait cru. Sa première clientèle, c'est la clientèle turque parce qu'ils achètent encore beaucoup, beaucoup de lait pour faire, qu'ils utilisent dans leur alimentation. Faire leur yaourt, hein, c'est ça? Ouais. Et ça, c'est un jeune producteur, enfin deux producteurs qui sont à Moidieu des Tourpes. C'est un petit village, c'est quoi, 8 km d'ici, hein, dizaines de kilomètres d'ici. Et donc ils ont leur laiterie, ils font leur lait, ils font leur fromage frais, donc uniquement vache hein, ici. Hein. Donc chacun fait bien. Ce qui est bien encore et ce qui est agréable, c'est que vous savez, partout maintenant dans les stations-service, on va bientôt pouvoir acheter tout papier toilette, à boire, à manger, etc. Et de l'essence, accessoirement. Et chacun fait encore bien son produit ici. Eux, ils sont spécialisés là-dedans. Ils ont leur propre troupeau. Ils font. Ça leur donne des idées. Comme nous, on achète souvent des pignons comme ça, vert, qui est cru à l'intérieur. Hey, travaille bien, Patrick. À la fraîche avant qu'il y ait des grosses chaleurs. À Clairefontaine sur les. Merci. Vous, si vous travaillez bien, il y a du soleil. Donc là, ça va passer quand même. C'est vraiment le moment un peu important de la recette parce qu'on a la patate, on a les petits légumes. Là, on est en train d'acheter de la verveine. Alors ici, c'est aussi producteur, vous voyez, vraiment de la région. C'est une variété de verveine qui s'appelle la verveine Lipia. Donc la verveine Lipia, c'est une verveine qui a l'odeur et le goût du citron, mais qui est vraiment une verveine, ce qu'on appelle odorante. Alors pour faire des infusions, des glaces, pour faire des sorbets, vraiment pour s'agrémenter avec des fraises, des framboises, avec une glace à la vanille, on a mille choses pour mettre avec la verveine. La pomme va très bien aussi quand on est à l'automne ou au mois de septembre, mélanger. Et là, vous voyez, c'est des plants de verveine absolument magnifiques. Et comme dit mon copain Philippe, c'est un piège à filles, ça. C'est tellement ça sent bon, tout le monde vous suit à la trace. Je peux pas trop sur toi. Nicolas. Monsieur Serra, c'est vraiment le poissonnier de la ville, on va appeler ça comme ça, du marché. Il a la particularité d'avoir des beaux produits, ce qui est quand même plaisant. Il fait aussi bien des ferrats du lac Léman, il fait des homards, il fait le merlu. Donc il a sur son étal vraiment une belle globalité de petits produits de la moule au petit merluchon de Bretagne. Par exemple, ça vient de la criée de Saint-Guénolé, je ne me trompe pas, hein, docteur. Hein, 80%. Voilà, donc il a acheté, par exemple, la criée de Saint-Guénolé est arrivée hier soir à 16h. Il a acheté auprès de son pêcheur. Ça a été transporté pendant la nuit. À 5h30 du matin, ça arrive sur une palette ici et ça arrive sur le banc. Le matin, des fois, ici, on peut acheter des langoustines vivantes. Ici. C'est complètement incroyable. Hein ? Oui, c'est ce qu'il dit. Bon, on le croit de temps en temps, ça lui fait plaisir. Mais en tout cas, on a des beaux produits, des sols de Bretagne. Ici, on est en plein milieu de la France, mais on arrive à acheter des produits topissimes. Voilà, chef.